Le même profil, la même passion, les fils et le père se ressemblent. À Béziers pour le rugby, à Montpellier pour le football, ils dirigent tous les trois, dans une joviale collégialité, des clubs professionnels. Notre père, c'est Louis Nicolet, né le 29 juin 1943 à Valence. Dans la Drôme. Dans la Drôme, alors qu'il est lyonnais d'origine, mais bon, il est né à Valence. Surnommé affectueusement, mais des fois avec terreur, le Grizzly. Il a un CV, le type. Il a un CV, il est long. Hein. Président du Montpellier Hérault, président de la SBZ-Hérault, président du Paris Handball. Un vrai passionné de sport, voilà. En particulier. Il regarde même le curling, des fois, sur des chaînes. Donc, bon, pour arriver à regarder le curling, bon, vous m'avez compris, quoi. Marié à Colette, quand même, hein, qui a eu deux beaux enfants. Laurent, 34 ans. Et Olivier, 37 ans. Ou 36. Ou 36, non ? Olivier, lui, est né en 70, moi en 73, et le club est né en 74. Donc, on va dire, ça a toujours été. On l'a considéré un peu comme la petite sœur qu'on n'a pas eue, quoi. Enfin, entre guillemets. Elle est un peu chiante, la petite sœur, mais bon. Le sport, ils sont nés dedans, c'est une bonne chose. Je préfère qu'ils soient nés dans le sport que dans la musique classique. Pourquoi ? Hein ? Parce que ça me fait chier. Ouais, c'est tout. Encore que je ne suis pas contre, hein. Enfin, je préfère même regarder un match de curling que d'écouter un truc de Mozart. Hein. Couper là, c'est bon. D'accord, on change de sujet. Plus jeune, vous avez bossé à la buvette du stade de la Mosson. Vous avez balayé les rues pour la société Nicolin, mais vous n'avez pas percé dans le sport de haut niveau. C'est parce qu'on avait les pieds carrés. Voilà. Si on n'avait pas les pieds carrés, on aurait peut-être été plus joueur que dirigeant dans un premier temps. Vous croyez qu'on m'a fait des cadeaux à moi ? Hein ? Et la tartiner les sandwichs, ça c'est de la rigolade, ça, les jeunes du centre de formation l'ont fait, ils l'ont fait. Mais ce qui était plus dur quand même, parce que moi je ne l'ai jamais fait ça, c'est balayer les rues. Ouf, quand tu as 17-18 ans, que tu balayes les rues, surtout à Lyon, là-bas, que tu as des belles gonzesses certainement qui doivent passer, qui te voient balayeur, c'est pas écrit que tu t'appelles Nicolas. Hein. Je ne suis pas un père, moi je connais plein de pères qui leur fils, ils les badent, que c'est les meilleurs du monde, hein, alors que c'est des trous du cul. Moi, j'ai des fils, ils bossent, et je suis content. Hein. Du moment qu'ils bossent, moi, je suis heureux. Et bon, ils ont mis un peu de temps, mais ça y est, maintenant, c'est parti, donc tout va bien. Des fois, on est bon, des fois, on est même brillant, et des fois, on est des crêpes, mais ça arrive, quoi. Moi, j'aurais bien vu hein, qu'ils fassent de la politique, une belle fille pharmacienne, qui gagne en pharmacie maintenant, c'est un peu épicier, hein, elle gagne pas beaucoup de pognon. Hein. Donc, avocate, et puis l'autre, je sais pas quoi. Mais moi, de les voir diriger ces clubs sportifs, diriger la boîte comme ils le font, je suis fier, hein, je suis content. Hein, voilà, c'est des vrais hommes. Hein. Et puis je vois, ils sont populaires aussi. C'est toujours plus agréable de travailler avec des gens qu'on aime bien qu'avec des gens qu'on ne peut pas voir. Quoi. Si c'est pour voir des têtes de nœuds tous les matins qui font la gueule, etc. Donc c'est vrai qu'on essaye d'amener ça. Et on est, je pense, des gens sympathiques. Hein, et on aime bien s'entourer et travailler avec des gens sympathiques. Quoi. Laurent est très sympathique, je suis beaucoup moins, mais... Non, mais j'ai aucun lien avec mon frère, moi. Bonjour, enchanté, Olivier. Vous savez, des fois, moi, quand je fais signer des nouveaux joueurs, je leur dis, ils connaissent un peu le contexte, je dis, voilà, vous avez un président qui sort, qui est hors du commun, que vous ne verrez peut-être pas tous les jours, mais qui est capable, un samedi après-midi, de vous embrasser, de vous sauter au cou et de vous faire ce que vous voulez, et trois jours après, vous avez perdu, de vous insulter tous les noms. Je suis toujours le patron, hein. Il n'y a aucun problème. Hein. C'est un monstre, entre guillemets, quoi. C'est une légende, pour moi, c'est une légende du football, donc c'est qui n'est pas reconnu peut-être par certaines personnes comme il devrait l'être, mais c'est vrai que quand il est bien et qu'il est, il apporte un plus énorme à l'équipe. Un célèbre proverbe dit « tel père, tel fils ». Est-ce que vous y croyez ? Tel père, tel fils, je ne sais rien, moi. Moi, je trouve que c'est des conneries. Hein. Il y a des fils qui sont plus brillants que leur père, il y en a qui sont plus cons, il y en a qui sont pareils. On dit « tel père, tel fils », j'en sais rien, moi. Ça dépend pourquoi. Ha, 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 ha.